Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2. On se retrouve donc pour ce nouveau scénario que j'ai rechargé parce que finalement, vu qu'on a quand même un personnage qui est plutôt axé nécromancie, je me suis dit qu'on allait quand même plutôt commencer avec les nécromanciens et puis ça a changé un petit peu. Je sais que je vous ai toujours pas montré les dragons, j'ai toujours pas eu l'occasion, ça m'énerve, mais bon, on a encore quelques scénarios, je pense qu'on va arriver à vous proposer ça assez prochainement. Du coup, en start de départ, on a Corlagon le Chevalier, effectivement, qui commence avec un dragon éthique quand même, 40 squelettes, nécromancie expert, balistique principe, la sagesse, le charisme et l'orientation, donc autant dire franchement pas mal. Pas de sort magique, certes, mais bon, voilà. Et du coup, on va en profiter directement pour faire du recrutement. Je pense que on n'a pas de sort, donc on va faire direct une guide des mages, ce sera fait. Les flèches magiques et contre-sort. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça, on va prendre l'autre héros. Ah oui, putain, faut faire tout le tour. Ok. Ok, bon, c'est pas grave. On va se mettre là. On va lui prendre tout, et ça va juste être un personnage d'exploration, on va dire. On va prendre les zombies améliorés pour commencer. Tac et tac. On commencera avec un petit peu de magie. On va aller se faire les paysans direct pour se faire de l'or, parce que ça va pas être en trop. Et avec elle... Ouais, ok, donc il y a effectivement une révolte paysan et effectivement il y a du monde. Nécromancie avancée, sagesse, nécromancie. Tac. Pardon ! Ben, on est mort. Tu me fais de one shot automatiquement en fait. Mais 700 quoi? Par curiosité, j'en tue combien avec un dragon? Ah la blague! Au revoir. Non, on va recharger au début du tour hein, parce que. Ah, une légion. Ok, j'avais pas cliqué de chez. Oui, j'ai pas pensé à faire un clic droit. Légion. Je me disais que c'était trop facile. Et en fait, celui-là. Ah non, ils ont. Merde, je me suis trompé de touche. Ils ont pensé à tout parce que même si vous prenez un bateau, je pense que vous pouvez pas débarquer en fait derrière. Waouh! Énorme. Excusez-moi, je vais juste recharger en début parce qu'on va pas. Voilà, on va pas se faire avoir comme ça. Une légion, une foule. Une foule d'archers, une foule de pistes. On va aller là. Voilà, c'est déjà mieux. Ouais, non, parce que là, c'est bon quoi. On va les attendre un peu. Là, tranquillement, bim. Voilà, faut qu'on arrive à se faire vraiment une armée de squelettes. Hein. Ça va être le but de cette série-là, enfin de cet épisode-là. J'ai à mort la nécromancie. On va avoir besoin d'or un petit peu, hein, donc attends, je prends l'or. On voyait quand même avec elle, il y a moyen d'aller prendre quelques petits trucs pour que l'autre perde pas trop de temps justement avec ça. Pour le mausolée, on a tout ce qu'il faut, mais il manque des ressources. Ok. On va faire la statue, comme ça on aura un peu plus de sous.
On attaque quand même, hein, parce que... Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait donné une astuce. Il faut que je m'en occupe. Je vais montrer. Quelque chose qui a été ajouté justement au mode de Heroes 2, là, très important. Ah, qui va nous être utile justement, surtout pour ce scénario quand je vois la gueule qu'il a. Nickel ça, il faut vraiment qu'on fasse tous les combats. Il y a possibilité de mettre les combats en automatique. Et si... Ouais, ok. Si on n'est pas satisfait du résultat, on peut refaire le combat. Ça, c'est plutôt sympa comme ajout. C'est plutôt sympathique. Ah, du soufre, il nous en faut 4. Ok, on prend, c'est toujours ça de prix. Ce que je vais faire assez rapidement, c'est essayer de faire un bateau aussi, comme ça il va pouvoir aller récupérer un petit peu l'autre héros qui sert à rien, les ressources. Les différentes ressources. Le puits, ouais, le labo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le mausolée, il faut le kiste, ok, d'accord. On va prendre ça, ça sera fait. Donc, hop. Voilà, des paysans qui veulent bien nous rallier. Des archers qui veulent bien nous rallier. Bon, de là à dire que on va être utile, n'exagérons rien. La grande pyramide, on va la faire. Ça débarque déjà. Ah putain, mais là j'ai pas fait gaffe aussi. Putain, mais faut vraiment que je fasse plus gaffe que ça. Hein. Non, non, bah attendez. Excusez-moi. Faut que je fasse gaffe. Quand il y a... Ouais, ok. Faut que je prenne l'habitude de cliquer. Je suis désolé. Le but c'est pas qu'on s'amuse à ça. Armée, ok. Full. On va éviter les légions, hein. Ça vous va? Moi ça me va. Horde. Ah oui, putain, ils sont vraiment en colère les paysans. C'est vraiment marrant parce que en fait c'est les paysans normalement c'est de la grosse merde quoi, mais là ils ont fait en sorte que vraiment ils sont tous en colère et donc, du coup il y en a. Ils ont... Comment compenser la nullité? Ben le nombre, hein, tout simplement la quantité quoi. On va vite être esselé là-dessus, effectivement. Le ponton, on n'a pas ce qu'il faut. C'est pas drôle sinon. Putain, mais on n'a même pas de... On a pas... Y a rien quoi. Enfin, si mine de pierre, faut aller là. Mais bon, ils sont chiants ces archers-là. Mais bon, on va pas avoir le choix. Hein. On va pas avoir bien le choix, va falloir y aller. Alors, avant d'aller là-bas, on va déjà faire encore un tour, on va les recruter. Qu'est-ce qu'on manque de ressources, quoi. Pff, oh là là là. Bien esselé, là, comme il faut, c'est cool. C'est top ambiance. On a les sous, hein, c'est pas le problème là, mais. Ce qu'on va faire, on va continuer avec elle d'aller faire ça. On peut se faire une armée petit à petit à force d'aller dans ces bâtiments là et de recruter à mort. Hein. Alors. Ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qu'avec ça on peut. Ouais, c'est juste pour les golems, hein, autant dire, on l'a dans l'os, quoi.
nickel. Finance principale. On va carrément prendre finance. Ok. Parfait. Ça, c'est du gain important. Une armée, c'est au moins 100 hein, quand même, hein. Faire gaffe. 150 squelettes, oh putain que c'est bon ça. Logistique, très important. Et nous aussi on pense faire une armée de squelettes hein, par contre. Et l'avantage, je peux plus rien faire pour le moment de toute façon. On pourrait faire les tourelles ici. Est-ce que je fais des tourelles? Non, on va économiser pour le moment. On va prendre charisme. Du squelette à mort. Balistique avancée. Prends ça aussi. Ouais, il donne pas, c'est pas non plus énormément de troupes à chaque fois. Désolé, il manque du bois. Maintenant, où est-ce qu'il sait qu'il y a du bois, bordel? Il y en a là, mais c'est une légion. On va aller voir vers le haut. Ils nous rejoignent, ok. On peut pas avoir un très bon moral, mais là les sous on les a, hein. Clairement c'est pas le problème. Donc c'est les ressources de base, c'est con mais c'est comme ça. Oh putain ils nous rejoignent, ça c'est bon ça. Ah ouais, genre j'en ai été vaincu, carrément. Et donc tout le monde est en guerre, moi ça me va. Et quand on est de protection, ça me va. On est sur une légion là aussi. Hein. Ouais, bah, les légions elles restent où elles sont. Là. Voilà, il manque un seul de bois, on va s'arranger. Voilà, on peut faire le mausolée. Faut faire gaffe quand même aux héros ennemis, hein, bien sûr. Il y a d'ailleurs des villages comme ça, alors je les attaquerai bien, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Après, ça me fait un autre château à gérer, mais pourquoi pas? Après, elle, honnêtement,
Ah oui, il est déjà bien, bien chaud lui. Ok. Est-ce que c'est le moment d'aller se rajouter un petit village? Je suis pas sûr. Ouais, du bois, ça c'est cool. On avait bien besoin. Ça y est, il commence à prendre des villages aussi. Peut-être le faire dans ce cas-là, moi aussi. On le risque de prendre trop de retard. On va faire les tourelles au cas où qui m'attaque. Alors, ça c'est bon. Elle reste là pour le moment, elle. Ouais, vu ce qu'il y a, on va rester là pour le moment. Ils peuvent se taper entre eux, à mon avis, ils peuvent se taper entre eux, puisque... Ah, il y avait du beau monde en face, hein. Orientation balistique, balistique. Là, je peux pas être amélioré en château. Ok. C'est même pas que voilà, peut-être c'est on peut pas. Dommage. Dommage, dommage. On prend. Moi, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller ou pas. C'est risqué. C'est peut-être risqué. Ah ouais, bah. On prend carrément. Tire à l'arc, non, sagesse, oui. Ouais. Quel ça? Ouais, c'est pas ce que je voulais faire en fait, mais... Je voulais absolument pas faire ça. Zut. Ah merde, bah, je vais recharger, hein, je suis désolé. Je fais pas mal de conneries ce soir. Voilà, et avec elle, on va plutôt aller prendre le village qui est là. Peut-être d'autres châteaux quelque part, hein, mais... Ah putain, il a des titans et tout. Oh mais la vache, ils sont chaud bouillants, hein. Ils sont totalement chaud bouillants, en fait. Bon, cette ressource-là, elle me manque un petit peu moins. On va faire le labo. Là, j'imagine, je vais me pas regarder, mais si je pouvais recruter un petit peu quand même. Ouais,
Je sais pas pourquoi je suis venu par là alors que ça sentait le pâté comme ça. J'aurais peut-être pas dû. Perdu dans l'histoire là. En même temps. Non, c'est mort. Bien fait niquer là. Par contre. Niveau thune, c'est chaud par contre. Hein. Bon, il a pas une armée de fou non plus, hein. Il y a moyen de l'inquiéter un petit peu. Hein. Bon là clairement je pense que je gagnerai pas mais bon. Il a pris la fuite. Non. Je veux le jouer dans ce cas-là. Une célérité sur eux en fait. Ressort, voilà. On va les remettre dans le mouvement. Ouais, niveau machine, on est un peu juste. Hein. Merde, j'ai mis ce clic en plus. Allez, on y croit. Et voilà. Attaque de 3. Augmente les déplacements. Nickel. Perle noire. Oh là là, morale. 1000 pièces d'or par jour. Oh yo 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 yo. 750 pièces d'or par jour. 500 pièces d'or. Oh la vache. Niveau 3 contre les sorciers. Ah, c'était le héros à abattre, quoi. On l'a battu. Et bim! Bah là on va commencer à se faire plaisir hein, niveau thune, hein, je vous le dis. Hein.
Là, ça va commencer à être intéressant. Quoique lui, on a quand même une mini-armée, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas 2-3 trucs qu'on pourrait aller vous faire? Si, aller prendre ça là-bas. Bah finalement, on va revenir là. Après, combien pour les faire évoluer? 1600. Il y a un marché quelque part. Ils ont en amélioration à part la double attaque. Double dégâts aux morts-vivants immunité contre malédiction. D'accord, bah oui, je le savais même pas. Ah mais d'accord, mais elle a ça! Ah mais oui, d'accord! Ah oui, et bah... Putain... Ah putain, putain de putain... Ouais, bon. Effectivement, on est mal. Bisous! Voilà. Ok, je comprends mieux. Très bien, très bien, très bien. Bon bah nous de assurer aussi. Hein. Putain, mais ils sont abusés quoi. C'est vachement dur hein. Oh là 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 là. Ça me permet de débloquer les vampires, donc faut que je le fasse de toute façon. Château quand même. Finance, puissance. Le cimetière, on va pas l'hésiter parce que s'il a déjà été vidé, je me souviens pas, par un héros. Du coup, vous perdez juste du moral parce que vous arrivez dans un endroit qui a été déjà visité et qui est... C'est con. Il n'y a pas de place, on va prendre les momies alors. Non, bah vas-y, tu peux me reprendre mes châteaux, hein. J'ai bien compris que. Que je l'avais dans l'os. Ah, c'est pour faire gagner un peu de temps, hein, de plus vous montrer les combats, c'est pas que je veux pas vous les montrer, mais.
C'est vrai que parfois, bon, c'est un peu chiant, je pense, pour vous. Effectivement, il y a des chances qu'il fuit quand même. Hein. Mais en vrai, il faudrait que je mette une célérité sur les squelettes parce que c'est mon atout, quoi. Il se met en protection. Je reparte parce que je sens que ça va être chaud. J'ai eu la chance d'avoir célérité, il faut vraiment que j'en profite quoi. Voilà, pas trop morflé contre un petit peu morflé quand même contre les paysans. Je vais me reprendre une armée. Ok, très bien, on a compris. Qui est le dominant, qui est le dominé. Ok, alors moi ce que j'aurais aimé c'est pouvoir les améliorer elles, mais il me faut la guide de niveau. Ok, c'est parti. Donc on a on mortel, ah c'est sympa ça, chair d'acier embarquement. Ok. Tac tac. Alors. On déborde quoi. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a plus que le rouge et le vert. C'est-à-dire moi et le vert. Ok, let's go. Je la chope elle. Ouais, bah elle fuit forcément. Elle va aller se planquer. Allez, montre-moi ce que t'es allé recruter. Qu'est-ce que t'as pris sur toi? Ok, t'as pas laissé grand-chose ici. Est-ce qu'elle fuit ou elle m'attaque? La grande question. Elle fuit. Je suis plus fort. Il y a des chances en tout cas. Charisme. Déjà, on va faire ça. Ici. Commencer à recruter aussi. On va tâcher d'aller la choper. Ouais, fuit, ouais. Ouais, c'est carrément jouable. Je garde. Ouais, ça commence à se tenter les légions, hein, mais bon, pas trop envie non plus. Je suis à combien de tournages, moi? Parce que je vais peut-être mettre fin à la série. Allez, la série, c'est l'épisode, on va se calmer, peut-être pas la série quand même. Je vais mettre un chrono, grosse erreur de ma part. Désolé, je vous impose un petit alt-tab.
histoire de voir. 35 minutes, ok, ouais, je fais encore 2-3 tours et je m'arrête. Oui, parce que ça me fait des squelettes. Et un petit sort au passage. Loin de mon chez moi quand même, faudrait pas trop que je traîne, surtout que j'ai pas vu ce qu'il a ce héros. Oh non, je suis pas inquiet en fait. Pas inquiet, mais si je pouvais lui tomber dessus. C'est bien, en tout cas si j'arrive à conserver maintenant ce château là et à le faire grossir, ça va être intéressant. Yes, on a le grand mausolée, ça c'est cool. On va pouvoir améliorer les Maccabées en liche. Enfin, en grand Maccabée, pardon. Pourquoi je dis en liche? Ouais, ouais. Barre-toi, ouais. Il a fui. Non, non, on va tenter de l'affaiblir plus que ça. Même pas peur. Les squelettes jouent avant le dragon, on fait chier, leur barre la route, terrain de merde. Je vais pas faire la célérité. On balance une petite onde mortelle par contre, parce que ça mange pas de pain. J'ai pas l'impression que ça ait fait énormément de dégâts. Mais... Oh, c'est pas injuste ça, franchement. Bon, il a quand même fui, mais je l'ai un peu plus emmerdé, on va dire. Si on va faire ma petite tourelle. Non, faut descendre là, il faut aller récupérer des troupes quand même. Tiens, 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 tiens. Ok, alors on va donner priorité au recrutement ici. Sorcière, magicien. Je sais même pas si j'ai vraiment envie de prendre un héros, honnêtement. Ouais, si, allez. Normalement, sagesse expert, ouais, voilà, donc c'est là, c'est pour ça que je l'ai pris. Niveau 13! Putain, mais elle est goldée, elle! Un peu d'attaque à distance, un peu de paladin, un peu de cavalier, un peu de. Et un peu de. Voilà. Ramène-toi si tu l'oses. Anti-dragon, c'est pas terrible hein, les sorts par contre ici, hein. Mais bon, voilà, comme ça toi, fais demi-tour hein, quand même hein, parce que ouais, bah oui, bim, qu'est-ce qui me manque là? 5, ça je les ai, 10 j'ai pas, 10 j'ai pas. Ouais bon, il me manque pas mal de choses quand même. On va faire le ponton. On va même créer le bateau, ce sera fait. Pas que je vais le prendre, mais... Or que... Et voilà. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il me semblait, on peut pas passer. Hein. Ouais, 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 ouais. Du coup, voilà, c'est des ressources normalement. Potentiellement, en tout cas.
subi une cuisante défaite. Putain, c'est vrai qu'on peut pas les aveugler. Haha! Des dégâts minimum, allez. Un peu. Oh oui, ça c'est bien ça. On en a même pas tué un quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop abusé ces trucs là. Dans la négociation. Ok, on peut garder. On va jouer un peu avec la magie, on va essayer d'économiser un peu notre troupe. Gagner un peu de temps si on peut. C'est qu'on a plus personne à recruter là. Ouais, par les paysans quoi. Autant dire, ça va être chaud. Ça va être super méga chaud. Et lui qui est en vadrouille là. Ah, j'étais trop gourmand. Le mec il m'attaque pas, mais j'étais gourmand quand même. Ok, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode, et on va se redire assez rapidement pour voir la suite de celui-ci, qui prend donc des proportions, je pense, quand même en notre faveur, un peu difficilement, certes, mais on commence à prendre petit à petit l'ascendant sur l'ennemi. Je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est mettre vraiment deux armées proches de là pour les bloquer, récupérer tous les villages... vraiment verrouiller la moitié de la carte et ensuite il faudra remonter probablement vers leur château qui est là. D'ailleurs, toi là, on va pouvoir le savoir en fait. Tout voir, voilà. Notre château est là, le deuxième est là. Et il y en a un autre là. C'est tout en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de château qui appartient aux magiciens. Ah si, il y en a un là. Ah, il est là, je le voyais pas. Si, si, ils en ont encore un là et un là. Ok, très bien. Effectivement, il faudrait couper déjà en deux la carte. Donc il y a un accès ici. Il faudrait plus ou moins verrouiller celui-là. Enfin, celui-là, ces deux-là en fait. Hein. Là. Et avec ce héros-là, il faudrait verrouiller par ici. Jusqu'au château en fait. Voilà, verrouiller là. Verrouiller ces deux accès là, et une fois que ça c'est fait, bah on peut remonter par là-haut. Ok, et ben bah on fera ça lors du prochain épisode. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.